Vous voyez que les corps sont par terre, donc il n'y a aucun frigo, rien du tout qui produit le froid là-bas. L'état dans lequel j'avais trouvé le corps de ma fille, une semaine après, franchement, ça puait et tous les corps qui sortent de là puent. C'est déjà en décomposition. Mes tantes maternelles, elles ont pleuré juste le fait de voir que c'est dans cet état ici que vous avez conservé notre sœur. Parce qu'ils savent, que si la vérité est connue de tous, ça va faire un scandale. À l'air ainsi, j'ai pris juste mon téléphone comme ça, la pochette, j'ai ouvert à moitié, j'ai lancé la vidéo et j'ai marché, j'ai tourné tout autour pour filmer. Sur une des photos, vous avez vu, j'ai porté un masque, juste pour vous montrer que là, sans masque, vraiment, vous n'allez pas supporter. Et ces gens-là qui travaillent là, moi je me dis, ils ne sont plus humains, parce que l'odeur qui se dégage là, et l'état des corps, franchement, un humain normal ne peut pas supporter ça. Nous avons fait des dépenses, je crois, $50, je crois, ou $300. Ça coûte cher, mais il n'y a rien. C'est pas une morgue, ça c'est un tombeau à ciel ouvert. Personne ne peut accepter ça. On est au 21e siècle, on est à la capitale, c'est la morgue centrale de notre pays. Oui, madame Bandeko Nangai, vous allez brancher connecté à Congo Dialogue. Bonsoir, bonjour. Vous allez éparpiller au travers le monde. Bonjour, émission à Espace Dialogue, ou à Bino Josué Boloa. Comme vous voyez, Espace Dialogue, c'est la plateforme Oyo et Sangisaka Réflexion, la connaissance ensemble pour la dignité, pour y permettre Bissot, tous à la bateau, vous allez couvrir, vous réfléchir, vous poser toujours la question pourquoi et comment. Et c'est ce qui fait même l'ensemble de la sagesse. Montabouanya a agi ça car c'est le bas sentiment d'émotion. Montabouanya toujours ce qu'il camboyait à Zoramouta, au Vanda, à Mitouni, Ponenin, et puis au Salamandenin. C'est ça. Merci à la grande dame Francine Ngem de la Belgique, grand prêtre mère, coordinatrice Nabisso. Nga wabino juste au bal international. Nga balancé bino clip moko. Ezali qui reportage salami na bande de connaissance France 24 une émission les observateurs oyo personnellement na linga mingi kolanda yango po ekota capitaine Bozindo banquette par réflexion ba makambo peut-être ba to ba ko réfléchir ngote ba tout na mituna ba ba ka ngote donc vraiment coup de chapeau na bande ko ya équipe Mobimba les observateurs il y a France 24 en fait. Ils ont reportage Salama il y a quelques mois. Ils ont honoré Tenabambo Cannabis à RDC. Ils ont l'impression de moi participer à moi. Donc, ils ont reportage Basalaki avec caméra cachée. Quand tu as l'état, il y a l'hôpital Nabis Otobeng, hôpital général ex-mama Yemo. Comment les cadavres, les banzoto, les wéi, les négligés. Comment les moto. Vraiment, c'est vrai, ça m'a belé.
mais du moins c'est quand même peu copé sans respect pour le coup donc on lance vraiment interpellation à ministère de la santé en cannabis au ministre de la santé équipe mon ministère de la santé s'il vous plaît te mettre un peu côté la licambo oyo côté la comment bah oui mon koufi asa négligé coffre coffrage exacté frigo ils ont salamala muté bah machine ils aient copé bah est-ce qu'on peut pas qu'on atteigne qu'on respecte quand même bah oui hein comment on bétail bato bazali ko kufa nzoto ya moto zo vanda kana mabele ndengo na coffre frigo za te mali les ate ezali participer ma wa vraiment nous interpellons au ministère de la santé ya biso ya mboka RDC to me kan pe ko revoir ma kamboyo si ki ya ko bongisa ko bongisa si ya quand même des moyens ba mbongo ezali ya ko débloquer pendant ko se recourir mbangu na état sanitaire ya hôpital général mama yemo au tobeng hôpital central hôpital général ezalaki ex tobeng ka ex mama yemo oui bimisa ba grand ebélé ba politicien belé ba botama wana ba tebélé ba botama na pourquoi ne pas entretenir yango s'il vous plaît les interpellations tant que zota la vidéo ezo pesa ma wa pe pasi tozo mituna budget ya né budget ya mboka ezawa. Vous voyez que les corps sont par terre, donc il n'y a aucun frigo, rien du tout qui produit le froid là-bas. L'état dans lequel j'avais trouvé le corps de ma fille, une semaine après, franchement, ça puait et tous les corps qui sortent de là puent. C'est déjà en décomposition. Mes tantes maternelles, elles ont pleuré juste le fait de voir que c'est dans cet état ici que vous avez conservé notre sœur. Parce qu'ils savent que si la vérité est connue de tous, ça va faire un scandale. À l'heure ainsi, j'ai pris juste mon téléphone comme ça, la pochette, j'ai ouvert à moitié, j'ai lancé la vidéo et j'ai marché, j'ai tourné tout autour pour filmer. Sur une des photos, vous avez vu, j'ai porté un masque, juste pour vous montrer que là, sans masque, vraiment, vous n'allez pas supporter. Et ces gens-là qui travaillent là, moi je me dis, ils ne sont plus humains, parce que l'odeur qui se dégage là, et l'état des corps, franchement, un humain normal ne peut pas supporter ça. Nous avons fait des dépenses, je crois, $50, je crois, ou $300. Ça coûte cher, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Ce n'est pas une morgue, ça c'est un tombeau à ciel ouvert. Personne ne peut accepter ça. On est au 21e siècle, on est à la capitale, c'est la morgue centrale de notre pays. Le plan sanitaire, ministère de la santé, je crois que chaque année ma budget moque est à la ca. Est-ce qu'il y a pas mal qu'on soit budget on a qu'au bon ici hôpital, la biche qui te copie à monnaie ne c'est la ca fierté. Y a un beau cannabis au lait côté caca bando tabato boye. Et puis ce qui est drôle, baso senga capem bon webele, bon on se va charger à cana morgue et kenda kawapi. Bon on baso charger ba way et zo kende wapi. Ma famille belé, situation économique, ça passe. Mais tant que nous avons confié, tant que mes mamans sont en hôpital général, nous avons gardé nos autres, nous avons mis sur l'année, nous avons exposé. Et ça passe, c'est ma voix. Vraiment, nous interpellons le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, s'il vous plaît, avec beaucoup de pleurs, beaucoup de sadness, beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Que tout le monde a image à boire, vraiment, s'il vous plaît. Nous de quoi cela qui reportage à soi qui. Interview même na bato ba ki koti kande kona ba ona morgue mais dommage botala ba condition ya boue et ça passe hyper mawa. S'il vous plaît nous interpellons le ministère de la santé gouvernement mbo kanabiso tomek un peu ko revoir ba situation sanitaire ça sont des scandales oh salamaka jamais dans le monde entier et pourtant nous sommes un pays développé un pays qui est scandaleusement baigné avec des ressources avec des minéraux avec des diamants de l'or ba cobalt et belé. Mais tu as l'aspect oyo, au lieu de se distraire dans ma camoum soussou. On te soura koufi. Nous avons un respect ma casse le col à bisou africain. Mais tu as l'exposé. Nous avons pour la même
la boutique et le lot avec les heures mais manipuler les déjà tant bas que nos bim salé na cercle bas que nos kunai mutasa lumbi déjà solo et ça m'a passé et ça passe cher ami téléspectateur bah fidèle ami internaute il y a Congo dialogue PM Miss Espace dialogue c'est simple la réflexion à moi mon kenal ngana mais na bino bolanda clip on ngi zali zali koleka c'est vraiment regrettable c'est vraiment regrettable c'est vraiment regrettable des commentaires à faire qu'est-ce qu'il faut faire naba kondi ya mama emo. Ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le ministre de la Santé dans le moment où ça, c'est pendant quelques mois, les cas qui, quelques années, les cas qui, dans un minute, nous ne savons pas l'état sanitaire. Non seulement à l'hôpital général, maman et moi, surtout que dans la clinique universitaire, la mort est privée. Est-ce que le ministère de la Santé l'a dit là pour battre l'état qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Vos réactions, vos suggestions seront la bienvenue. Nos numéros sont des petits écrans. Moi, c'est Joseph Bourlois à l'international. Et ça passe. Quand nous regardons dans notre pays, bah morgue, service ambulance, service à morgue, service au Tobengaba, Andate, Kanambo, Kanapsa, Afrique du Sud. Ah, il y a même de ceux-là qui ont des morgues privées, des undertakers. Binobenga en français, undertaker. Privé. L'État de la Kabanga, tu as la coma, la condition dans les Alaka. Mais combien plus forte raison, beaucoup de monnaie est dans la richesse. Tout le monde a image, un scandale horrible. C'est vraiment très pénible. C'est vraiment très pénible. Je me demande si tu as un coup de faire. 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 Et ça passe. Cher fidèle internaute, tu peux savoir réactionner. Moi, c'est juste pour moi. Restez branchés. Et puis, je vous demande toujours de vous abonner massivement dans ce site de savoir, comme au dialogue.com. Merci, à la fois prochaine.